proposer ce matin de partager notre moment de méditation en deux parties. La première partie qui sera tout simplement, j'aimerais simplement parler un petit peu assez rapidement, comment nous pouvons et comment nous sommes invités à exprimer notre louange, notre adoration d'une façon communautaire à Dieu lorsque nous nous assemblons dans la maison du Seigneur. En un mot, comment faut-il se comporter dans un culte, comment faut-il exprimer ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs, soit au travers des louanges à haute voix, soit au travers de l'exercice des dons spirituels, soit au travers des chants. En un mot, comment devons-nous, comment sommes-nous appelés à nous exprimer en public? La parole de Dieu nous le rappelle dans l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 12, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Il y a bien souvent dans nos têtes de la confusion, comme je le disais l'autre jour, nous sommes parfois remplis, plein le cœur du désir d'honorer le Seigneur, mais notre cerveau parfois déraille ou plutôt n'a pas toujours la connaissance ou peut-être la sagesse, le discernement pour exprimer convenablement la plénitude que nous avons dans notre cœur. Et il est bon que nous nous rappelions que notre adoration à Dieu, qui est un Dieu d'esprit, Dieu de vérité bien sûr, réside dans ces mots, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, mais aussi de toute ta pensée. Vous avez remarqué, vous êtes venus ce matin avec vos têtes, hein, bien faites, bien gentilles. Dans ces têtes, il y a un cerveau, il y a une capacité de réfléchir, il y a une capacité de raisonner, il y a une capacité de faire des choix. Donc, notre cerveau aussi participe, notre intelligence aussi participe à l'expression de notre service et de notre louange pour notre Dieu. Cela est important de nous le rappeler parce que je peux louer, je peux prier en esprit, mais je prie aussi, je suis invité à prier aussi avec mon intelligence. Je peux chanter dans l'esprit, mais je peux et je dois aussi chanter avec mon intelligence. Il y a les deux, il y a en esprit, mais il y a aussi avec notre intelligence renouvelée, sanctifiée et dirigée par l'Esprit de Dieu. Donc, je voudrais ce matin parler un petit peu, rapidement, survoler, nous n'avons pas le temps, si j'aurais voulu être plus long, plus profond, mais nous n'avons pas le temps, alors j'aimerais survoler rapidement comment nous pouvons et comment nous sommes invités à exprimer d'une façon communautaire notre louange et notre adoration à Dieu. Bien sûr, chez nous, à la maison, nous pouvons vraiment passer du temps, des heures, vraiment nous donner à fond pour le Seigneur totalement, exprimer toute notre personnalité, c'est juste. Mais quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous ne sommes plus tout seuls, nous ne sommes pas les seuls et nous ne sommes pas les meilleurs, nous sommes tous des frères et des sœurs. Et ce que Dieu attend à ce moment-là, c'est que sa maison, son corps, son église, son temple, que nous formons les uns et les autres, exprime alors la louange et l'adoration. Et cela il doit être bien sûr dirigé, conduit par le Saint-Esprit, animé par l'Esprit de Dieu avec notre collaboration. Nous ne sommes pas des médiums, nous ne sommes pas des gens qui suivent n'importe quelle impulsion. Nous sommes des hommes et des femmes réfléchis, intelligents, qui savent discerner et suivre la mouvance de l'Esprit au milieu de nous et qui savons exprimer ce que le Seigneur nous donne dans la sagesse et dans la complémentarité mutuelle les uns aux autres, de façon à ce que nous fassions cette unité, nous soyons cette unité merveilleuse, non pas seulement de cœur et d'esprit, mais dans l'expression de notre louange à Dieu lorsque nous nous rassemblons. Je voudrais dire encore que si vous avez apporté individuellement votre louange à Dieu dans un culte, et si ça s'arrête là, vous n'avez rien, pratiquement rien apporté au corps de Christ. Mais si vous avez contribué à ce que tout le corps ensemble apporte la louange, alors j'ai été en édification au corps de Christ. Quand nous sommes là ensemble, eh bien je ne pense plus à moi, vous savez, ça, j'ai apporté tous mes besoins à Dieu. Mais quand je viens dans la maison du Seigneur, c'est pour mes frères, c'est pour mes sœurs, et bien sûr, d'abord pour le Seigneur. Et mon édification, le but de l'expression de ma louange, de l'expression des dons de l'Esprit, de l'utilisation que le Seigneur va juger utile et bon pour ma vie et au travers de ma vie, n'aura pour motivation, pour orientation et pour but l'édification du corps de Christ, l'édification de mes frères, l'édification de mes sœurs et tout cela pour la gloire de Dieu. Alors,
Je voudrais tout simplement dire, si vous vous servez vous-même dans le culte, vous n'êtes pas édifiant pour les autres. Tandis que si vous servez les autres dans l'expression de votre vie, si vous avez vraiment conscience que c'est pour les autres que vous êtes là, pour Dieu au travers des autres, alors vous serez en édification. Et puisque vous apprenez ainsi à arroser et à donner aux autres, vous serez vous-même arrosé et vous-même renouvelé. C'est en se perdant soi pour les autres qu'on participe à la vie de résurrection. Tandis que si on se sert même des choses de Dieu pour soi, alors on n'est pas vraiment édifié. On contente, on nourrit encore sa propre personne, on nourrit encore son égocentrisme, même dans les choses religieuses, et nous ratons la vision, le but que Dieu a pour chacune de nos vies, c'est édifiez-vous les uns les autres dans la complémentarité, vous complétant les uns les autres dans la soumission mutuelle les uns aux autres. C'est tout un programme et nous le savons, je pense que nous avons tous à cœur le désir de le vivre et c'est souvent l'expression pratique qui nous fait défaut, nous ne savons pas toujours comment le faire. Alors, il est important que les uns et les autres, vous, moi, chacun d'entre nous, nous ne soyons pas une cause, je dirais pas de scandale, mais de trouble ou de gêne dans l'expression de notre culte, mais au contraire, que nous soyons un moyen qui renouvelle les frères et sœurs, qui les encourage eux aussi à ouvrir la bouche, à louer le Seigneur de tout leur cœur. Nous devons donc être une source de bénédiction pour les frères et sœurs, et cela demande également, bien sûr, non seulement un cœur bien disposé, mais la sagesse, et Dieu donne la sagesse à ceux qui le lui demandent. Hein, c'est écrit dans l'épître de Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et le Seigneur lui donnera sans faire aucun reproche. Encore une autre chose en introduction, c'est que si nous pensons que nous n'avons pas besoin de sagesse, nous avons toujours la pensée de l'esprit, nous sommes, nous, inspirés, les autres, ils n'y comprennent rien. Alors là, vous savez, ça, vous pourrez vous gonfler comme la grenouille qui voulait se faire comme une vache. D'accord. Mais tôt ou tard, on éclatera. Hein? Tôt ou tard, il y aura des problèmes. Tôt ou tard, il y aura des déviations. Tôt ou tard, il y aura des erreurs. Mais tôt ou tard, les autres auront des difficultés à vous supporter ou à me supporter. Et je ne contribuerai plus à l'édification du corps de Christ. Le don que Dieu m'a donné devient une cause. Une cause de gêne, alors que ce que Dieu m'a donné était pour l'édification et pour le bien et pour la joie du corps de Christ. Donc, il est important que nous réalisions non seulement la joie que Dieu veut nous donner d'exprimer ce que nous avons reçu, mais aussi la responsabilité que nous avons dans la manière dont nous exprimons ces choses pour le bien des frères et des sœurs et du corps de Christ. Alors, je voudrais peut-être que nous relisions ensemble, si vous permettez, 1 Corinthiens 12, 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Une autre, j'ai oublié, j'avais fait une promesse depuis trois dimanches, c'est que j'allais vous rappeler que chaque dimanche, avant la prédication, la première des prédications, c'est vous exhorter à être à l'heure, à l'église, au culte, de 9h30.
À 9h30, notre culte commence à 9h30 et il est important, je dirais même il est vital, c'est le reflet, c'est la manifestation de la maîtrise de nous-mêmes que nous soyons là à l'heure parce que le culte commence à 9h30 et si nous avons rendez-vous chez le docteur, si nous avons rendez-vous chez l'opticien, si nous avons rendez-vous à un guichet de la banque, si on nous donne une heure, nous la respectons. Alors je vous pose la question, pourquoi ne pas le respecter avec le Seigneur? Alors donc, nous comptons sur vous pour que sans vraiment une raison indépendante de votre volonté, tout soit là et que nous puissions réellement commencer notre culte à 9h30. Voilà, j'ai rempli ma promesse. Maintenant, voyons un petit peu plus loin en ce qui concerne donc. Tout d'abord, je rappelle que lorsque nous nous trouvons ensemble, c'est l'expression du corps, du groupe, et l'expression de notre individualité ne veut pas dire Dieu ne supprime pas notre individualité, mais l'expression de notre individualité doit se limiter dans l'équilibre avec ce que j'apporte au corps de Christ. C'est-à-dire que mon individualité doit servir le corps et non pas sortir et être une excroissance du corps quand je me place ou quand je suis là dans la louange, dans l'adoration, dans le culte avec le Seigneur. Bon, ça je n'insiste pas. Mais il y a une importance aussi de comprendre, c'est que tout doit être harmonieux dans un culte. Tout doit couler dans une unité qui est l'unité de l'esprit. Je vais prendre un exemple. Si je reçois une pensée, par exemple, imaginez que nous soyons là dans la louange, nous sommes en train d'adorer le Seigneur de tout notre cœur, et le chant que nous chantons, que nous entonnons, ou le moment de louange qui est là, exalte le Seigneur. La gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Imaginez que vous, maintenant, à votre place, vous recevez, vous pensez recevoir une révélation du Seigneur qui est en train de dénoncer ou qui est en train de mettre en lumière un péché dans la vie de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout casser, arrêter le courant de louange et commencer à dire, le Seigneur dit, mon enfant, si tu ne te repens pas, etc., etc. Non. Il y a à attendre, à partir de ce moment-là, laisser mûrir la pensée que Dieu vous a donnée dans votre cœur, gardez la maîtrise de vous-même, gardez la maîtrise de ce que Dieu est en train de vous donner, attendre l'heure de Dieu pendant le déroulement du culte pour apporter cette prophétie à son heure, afin qu'elle coule dans l'expression, qu'elle corresponde au moment du culte, qu'elle ne vienne pas comme un cheveu dans la soupe, alors que tout le monde est en train d'adorer, vous parlez d'autre chose. C'est un petit peu comme la prière. Tout le monde est en train de prier pour un frère qui est malade dans l'église, quand tout à coup quelqu'un, on ne sait pas d'où il sort ou d'où elle sort, commence à prier pour les chrétiens persécutés dans les pays de l'Est. Rendez bien compte, ce n'est pas le moment. On est tous en train de prier pour le frère, alors laissez les chrétiens de l'Est momentanément encore avec, si vous voulez, peut-être leurs besoins. On termine d'abord avec le frère et alors, selon que l'Esprit, alors vous pourrez apporter cette prière. Vous voyez, et cela est identique dans l'expression des dons spirituels. Une prophétie, une révélation, une instruction, une pensée du Seigneur doit toujours correspondre au courant qui a lieu au moment où elle est exprimée. Ça doit correspondre à la vie du culte. Vous ne pouvez pas apporter quelque chose qui est en dehors de l'esprit du culte, ce n'est pas le moment. Le Seigneur peut vous le donner pour vous, pour que vous puissiez peut-être prier pour cela, vous n'êtes pas obligé de l'exprimer. Ou alors, vous pouvez attendre tranquillement que le Seigneur ait l'instant favorable, et parfois il arrive qu'on ait des prophéties, pensée du Seigneur au début du culte, et ça arrive de le dire qu'à la fin du culte. C'est tout à fait normal. Nous ne bloquons pas, et ça, la petite conception un petit peu pentecôtiste, on pense toujours bloquer l'esprit, non. On est tout simplement adultes dans l'expression des dons que le Seigneur nous a donnés. La maîtrise de soi est le signe que nous sommes réellement remplis de l'esprit. Je vais vous le dire, moi j'y crois plus tellement. Tout le monde parle en langue maintenant, mais la réalité, pour moi personnellement, c'est la maîtrise de soi, c'est vraiment tenir notre vie en bride et être intelligent dans l'Esprit de Dieu. Alors on voit réellement que vous êtes remplis du Saint-Esprit, que la sagesse de Dieu vous habite ou nous habite. Donc, je suis d'accord que parler en langue, c'est un signe, je ne veux pas. Mais je veux simplement dire, la première chose que nous demandons, ce n'est pas tellement que tout le monde parle en langue, bien sûr, c'est notre désir à tous, mais que cette réalité de la vie, de l'esprit, se manifeste dans des choses concrètes, palpables, qui font du bien, et non pas qui détruisent, ou qui gênent bien des gens qui aimeraient connaître la vie de l'esprit, mais qui parfois sont repoussés par la maladresse, le manque de sagesse que certains ou certaines pratiquent lorsque nous sommes assemblés
dans la maison du Seigneur. Vous savez, je vais vous dire, souvent on a des gens qui passent, qui viennent, puis à la fin, ils vous attendent, ils viennent, vous êtes le pasteur, vous en prenez plein la cravate. Parce que c'est vrai, les gens, ils ne sont pas idiots, et parfois ils rendent compte quand quelqu'un est nerveux, quand quelqu'un donne son psychisme à fond, quand quelqu'un frise un petit peu l'hystérie, ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu, c'est tout simplement un manque de maîtrise élémentaire. Ce n'est pas l'esprit, ça, c'est la chair. Malheureusement, parfois, il y a de bonnes choses mélangées avec des mauvaises. Alors, nous voulons grandir. Hein? Je ne dis pas cela pour juger ou pour vous étouffer. Non, c'est pour toujours aller plus loin. Oubliant ce qui est en arrière, nous voulons courir vers l'avant, toujours grandir davantage dans l'efficacité et dans le fruit de l'esprit. Donc, tout doit être harmonieux. Les prières, le parler en langue, la prophétie, les chants, tout doit être harmonieux, je veux dire, il faut rechercher le beau. Ce n'est pas parce que je parle en langue qu'il faut que ce soit une voix criarde avec tout ce que vous voulez de désagréable. Nous devons apporter le plus beau à notre Dieu. Nous devons exprimer le plus beau, le plus harmonieux. Notre capacité du beau doit grandir toujours davantage, doit être élargie. Il faut que quand quelqu'un chante en langue, ça soit beau, autant que possible. On ne donne pas n'importe comment, on ne donne pas n'importe où, on ne donne pas d'une façon, on ne crie pas n'importe comment. Il faut faire attention, il y a une maîtrise de soi aussi à exercer. Le chant doit être beau, le chant en langue communautaire doit être beau, le chant individuel doit être beau, le parler en langue individuelle doit aussi être marqué de la beauté du sceau de l'esprit. Ce sont des choses réelles. Là encore, nous ne devons pas n'importe comment nous laisser aller sans maîtrise, sans contrôle, ni rien, non. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous avez donc le droit, je dirais même le devoir, pour la bienséance et pour l'équilibre, nous avons le devoir d'exprimer ce que nous avons reçu dans la beauté, le maximum de beauté, la beauté dont nous sommes capables. Donc nous ne crions pas n'importe comment, parfois, selon que son esprit peut avoir une voix très forte, parfois, je suis tout à fait d'accord. Hein? Mais que ça soit beau, que ce soit le souffle de l'esprit et que ce ne soit pas un dérèglement parfois nerveux qu'on ressent. Parfois, les gens qui se laissent aller, il n'y a plus aucun contrôle, on crie, on est là et tous ceux qui sont à côté de vous, vous pensez peut-être être inspirés, mais les autres, ils souffrent terriblement. Alors, je voudrais vous le dire, dans toute l'amitié, il faut que nous devenions des maîtres dans l'exercice de nos louanges, dans l'exercice de nos dons spirituels. Quand nous prions, quand nous louons individuellement, frères et sœurs, ce n'est pas la peine de hurler. Pas la peine de hurler. Pourquoi hurler? Pourquoi hurler? Mais ça ne sert à rien, sinon ça choque tout le monde. C'est tout ce que ça fait. Vous exprimez votre louange, comme vous l'exprimez à la maison, hein, pas faire plus fort que les autres. Et puis, une autre chose encore, pas la déclamation. Vous savez, des fois, on dirait, ça y est, c'est le tribun qui se lève et pendant 10 minutes, on a droit à une étude biblique, hein, long, large, en travers, hein, et puis le ton oratoire, à la grande phrase, etc. Non, frères et sœurs, non, nous n'avons pas le temps, nous sommes trop nombreux pour écouter votre don oratoire. Non, ce que nous voulons, c'est la pensée de l'esprit. C'est la pensée que Dieu vous a mis dans votre cœur, la louange de votre esprit. Ça veut dire, vous savez, il y a une magie dans le mot, hein, excusez-moi d'utiliser ce terme, mais on peut prendre un groupe en main, rien qu'avec la parole. Vous savez, c'est tellement facile. Prenez un ton, une allure, etc. Vous avez tout l'auditoire dans la main, uniquement par la parole. Qu'il n'en soit pas ainsi. Hein? Nous apportons dans le Seigneur, nous ne voulons pas exercer une domination par la parole. Nous ne voulons pas prendre en main l'auditoire par la parole. Non, non, nous nous adressons à Dieu. Frères et sœurs, c'est terriblement dangereux. Et je dirais ça pourquoi? Vous avez remarqué que j'ai lu, dans l'exercice des dons, vous trouvez que les femmes se taisent dans l'Église. C'est dans le même paragraphe que nous l'avons lu. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Je ne dis pas que les sœurs ne doivent pas exprimer leurs dons. C'est tout à fait normal que les sœurs aient dit que c'est prophétise, la tête voilée, etc. Donc, c'est permis. Hein? C'est tout à fait normal dans l'expression de la vie. Hein? Il y a, c'est pour tous, en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme dans ces domaines-là. Mais aussi longtemps que nous sommes sur la terre, que nous ne sommes pas ressuscités, l'homme restera l'homme et la femme restera la femme. Et dans la communauté des croyants, chacun a sa place. Et il est dangereux, et ça, mes sœurs, il y a un danger pour les sœurs qui ont un don oratoire parfois, il y a un danger d'exercer une domination, une autorité sur un groupe. Et cela n'appartient absolument pas aux sœurs, je suis désolé, la parole de Dieu l'interdit formellement. Hein. C'est là, il faut faire attention que nos dons ou nos capacités oratoires ne deviennent pas une emprise
sur une église, mais au contraire, nous apportons ou nous apportons au Seigneur et aux frères et sœurs, dans l'humilité, dans la réserve, ce que le Seigneur nous a donné. Vous savez, je dis ça sans blessure, je dis ça parce que c'est le problème du déraillement, c'est le problème du danger. Quelqu'un qui parle bien, il vous embarque un auditoire. On ne veut pas ça dans le culte. On ne veut pas que quelqu'un parle bien. On veut sentir le souffle de Dieu. On veut sentir la paix de Dieu. On veut sentir la retenue. Vous savez, le privilège de notre vie d'enfant de Dieu, c'est d'être réservé. C'est la réserve. Ce n'est pas s'étaler dans toute notre personnalité. Ce n'est pas être vu. C'est que Christ soit vu, que notre humilité soit vue et que la pensée du Seigneur soit perçue. C'est important, bien sûr, pour les frères aussi. J'ai parlé des sœurs parce que c'est dans la Bible, parce que le danger est là. Le danger est tout particulier pour les sœurs qui ont tendance toujours à la facilité de parole. Il y a à faire attention, à limiter notre capacité d'expression de façon à ce que, et c'est là que je voudrais aussi le dire en passant, qu'un culte ne soit pas dominé par des sœurs ou par un ou deux hommes, mais qu'un culte soit l'ensemble du corps de Christ qui s'exprime dans la maison du Seigneur. Alors, vous pouvez très bien voir, est-ce que vous dominez dans l'église quand vous êtes dans un culte ou est-ce que vous êtes au même niveau que les autres? Si vous dominez, vous êtes en danger et vous posez des problèmes aux autres. Mais si au contraire, vous êtes au même niveau, mais que de temps en temps, selon la marche de l'esprit, vous apportez aux autres, alors là, frères et sœurs, vous serez en bénédiction au corps de Christ. Nous devons fuir la domination sous quelque forme que ce soit par la parole. Nous devons fuir, nous devons refuser ces choses. C'est une trace d'orgueil. C'est un esprit de supériorité déguisé et nous sommes à ce moment-là un danger pour l'Église et aussi pour notre propre vie et pour notre propre cœur. C'est ceux qui sont humbles que le Seigneur élève. Il faut bien nous le rappeler et je voudrais vraiment qu'on arrive à comprendre cela. Je voudrais aussi aller un petit peu plus loin. Nous devons être attentifs à l'équilibre dans une réunion. Nous avons parlé, là, il y a 3-4 semaines, là, de l'expression des dons spirituels. Nous avons dit qu'il y a des groupes d'expression, par exemple, 2 ou 3 prophéties. Ça peut être parce que ça peut compléter le même sujet de prophétie. Donc, et que nous pouvons développer. Mais, il y a un mais, c'est toujours pareil. C'est pas parce que d'un côté, maintenant, on tombe dans l'équilibre inverse. C'est que notre culte doit être équilibré. Si à un moment donné, avec la louange, la prière, la prédication de la parole, l'expression des dons spirituels, vous vous rendez compte à un moment donné qu'il y a trop de dons, il faut arrêter. Il faut arrêter pour ne pas filer comme un mulet sans intelligence. Il faut arrêter. S'il y a trop de dons, il faut arrêter. Il ne faut pas qu'un culte soit fait que de dons. Il ne faut pas qu'un culte soit fait que de messages. Il ne faut pas qu'un culte soit fait que de louanges. Il faut l'équilibre. Et à ce moment-là, 2 ou 3 prennent toute leur importance. Le mot de 2 ou 3 prend toute son importance. Il faut savoir refrainer quand c'est l'heure. Et parfois, un jour, j'avais assisté à une rencontre. Alors, c'était tous les 2 minutes, des dons. À la fin, on était assis là, on ne savait même plus ce que le premier avait dit, et le dernier non plus. Personne n'était dépassé. Tout le monde était dépassé. C'était trop. Bien sûr, ceux qui avaient apporté le don, ils étaient contents, ils avaient apporté quelque chose du Seigneur. Ils oubliaient simplement que les autres n'avaient rien compris, ils avaient tout oublié. N'exagérons pas. Équilibre. Je préfère personnellement qu'il y ait 3 prophéties dans l'onction et réellement pour le bien du Christ que 10 prophéties dont personne ne se rappelle plus et que finalement qui sont la reproduction chaque dimanche des mêmes paroles, de la même pensée. Soyons originaux dans nos pensées. Vous savez, de dire que le Seigneur nous aime, je pense que vous n'avez pas besoin d'une prophétie, c'est écrit dans la Bible. Vous savez, pas besoin de prophétie. Bien sûr que ça nous fait du bien de l'entendre. De temps en temps, c'est bon. Mais il ne faut pas que tous les dimanches, on entende les mêmes prophéties. Ce n'est pas ça. C'est pour la richesse, pour l'édification, pour avancer. Je rappelle aussi ce que j'avais dit, que le Seigneur peut donner des prophéties pour des individus au milieu de nous, pour des frères, pour des amis, pour ceux qui ont dans le besoin. Mais il est beau aussi de rechercher dans la prière des prophéties pour l'ensemble. L'orientation que Dieu veut donner à notre assemblée, l'orientation que Dieu veut donner, ou la direction que Dieu veut donner, une pensée que Dieu veut donner au groupe, ça aussi, c'est de la prophétie. Bien sûr. Ça s'engage, mais il est bon, donc là aussi, de nous rappeler que ce soit le parler en langue, l'interprétation, la prophétie, que tout soit équilibré. Quand nous sentons que ça va trop dans un domaine, alors, Et je pense que le meilleur des cultes, c'est celui-ci, bien sûr, toujours, je le dis, je donne ça comme un schéma,
Mais l'esprit est souverain. Et je crois dur comme fer que des fois l'esprit va agir tellement fort, hein, que toutes ces structures peuvent être mises en l'air. Je suis tout à fait d'accord, mais à condition que ce soit l'esprit. Hein, mais pas une habitude de la personnalité des uns et des autres. Hein, donc, mais il est bon d'avoir des moments de louange individuels, quand c'est le moment de l'individualité, d'expression individuelle, pas longue. Pourquoi pas longue? Parce qu'on ne veut pas vous entendre? Non, ce n'est pas ça. Mais quand quelqu'un se met à prier, ou à, même dans l'exercice des dons spirituels, quand ils sont longs, eh bien on commence à couper l'esprit communautaire qui est là. Si on n'entend qu'une personne pendant tout un certain temps, tout se casse un petit peu dans cette émanation du groupe devant Dieu. Donc, quand je prends la parole, quand nous sommes ensemble, prenez tout votre temps, prenez des heures de prière chez vous. Hein. Mais à moins que vous avez réellement reçu quelque chose du Seigneur, hein, mais alors ça va se voir, eh bien, veillez à ne pas troubler l'unité en prenant trop de place par vos paroles, par votre louange, par votre don spirituel. Essayons d'apprendre aussi à nous limiter. Vous savez, vous allez me dire, mais je suis comme vous, hein, moi aussi, je réalise cela, j'ai aussi besoin pour ça, pour moi. Mais nous devons savoir, par exemple, je prends un exemple très simple. Dans un moment de louange, vous avez une personne qui loue, et puis tous les 30 secondes ou tous les 20 secondes, vous entendez, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, je t'aime, Seigneur, tu... C'est répéter plusieurs fois la même chose. Si vous prenez le taureau par les cornes, vous dites, c'est pas la peine, je répète 3 fois ou 10 fois la même chose, je vais m'arrêter, ça va déjà faire 10 fois moins de temps. Hein? C'est la même chose pour les dons spirituels. Quand la personne apporte un don, soit d'interprétation, même ça peut s'exprimer dans le parlement, mais interprétation ou prophétie, quand vous avez apporté votre pensée, quand vous commencez à comprendre, vous êtes en train de vous répéter, alors arrêtez, les autres en ont assez, ça suffit. Hein? Quand vous commencez à répéter les mêmes choses, stoppez, c'est fini, même si vous semblez vous que vous êtes fort, même si vous semblez que vous êtes rempli de l'esprit, eh bien soyez rempli de l'esprit, mais taisez-vous. Gardez cette onction pour vous, gardez cette onction alors en sortant. Pour vous, à la maison, dans votre travail, gardez cette onction. Ne la dépensez pas inutilement. Alors, ne vous fiez pas à ce que vous ressentez, mais comprenez ce que vous devez faire quand vous êtes dans la maison du Seigneur. C'est important. La direction ne se fait pas forcément par la force, ne se fait pas toujours parce que l'onction est forcément sur moi. Il y a une collaboration entre l'onction et le discernement et la sagesse qui doit habiter ma vie et mon intelligence et l'expression de mes dons. Alors, une fois que je commence à redire la même chose, c'est fini, il faut que j'arrête. Et parfois, on est là, la personne est là, puis elle recommence encore une fois, puis elle l'exprime autrement, mais c'est toujours la même pensée. Pourquoi redire 36 fois la même chose, alors que l'Ecclésiaste dit que la voix des insensés se fait entendre dans la multitude des paroles? Dès que je me mets à me répéter, commence à avoir la vie d'un insensé. C'est clair, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors là, vous avez beau vous dire, mais le Seigneur, vous avez beau vous croire supérieur, vous avez beau vous croire inspiré, moi je vous dis que non, vous êtes un problème pour les frères et sœurs qui vous écoutent. Il faut bien comprendre, il n'y a pas d'autre explication que celle-là. Une fois que vous avez apporté ce que la pensée, ne la répétez pas sous une autre forme, apportez la pensée, d'accord. Et puis si le Seigneur veut que quelqu'un y rajoute ou qu'elle soit réapportée par un autre, alors laissez, un autre pourra l'apporter à ce moment-là. Vous pouvez tous prophétiser successivement. Mais ce n'est pas vous qui allez garder tout l'auditoire dans la main pendant je ne sais pas combien de temps. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas l'humilité. Frères et sœurs, c'est important que nous comprenions ces choses. Bien sûr, là, je vous donne une vision d'ensemble. Il est certain que dans la pratique, hein, il peut y avoir parfois des aménagements ou des libertés que l'esprit va nous faire prendre, c'est tout à fait certain. Mais il ne faut pas que tous les dimanches, ce soit la même chose. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bien, ce n'est pas de l'esprit, c'est la chair dans toute sa splendeur. Hein? Alors, donc, ayons conscience d'une certaine base de notre vie. Et puis ensuite, bien sûr, quand il y a la vague de l'esprit, alors paf, que le plafond saute, on est tout à fait d'accord. Hein? Mais que ce ne soit pas un pli, une tournure d'esprit qui est là, installée depuis je ne sais pas combien de temps, qu'on n'arrive pas à changer, on n'arrive pas à changer notre mentalité, et on n'a même pas envie parce qu'on pense qu'on est inspiré. Non. Dès que je ne suis plus en édification, je voudrais vous dire une chose. Dès que votre prophétie, votre interprétation, votre louange ne fait plus de bien aux autres, elle n'est plus bonne à apporter. Vous pouvez dire, mais c'est du Seigneur, moi je vous dis, c'est peut-être du Seigneur, mais ce n'est pas le moment parce que ça ne fait plus de bien. C'est fini, il y a le trop-plein, il faut stopper. Il faut comprendre ces choses, hein, c'est important. Il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse alors, hein, maintenant je ne dis plus rien. Alors ça, c'est les mauvaises têtes, ça, c'est les gens qui ne veulent pas accepter de grandir, de se laisser former. Bon, ben tant pis pour eux. Hein. Mais si je suis humble, bon,
Je fais attention. Aujourd'hui, j'ai pris la parole dans la louange, j'ai exprimé ma louange individuelle. Alors, qu'est-ce que ça fait? Si j'ai la notion du corps, je dis, Seigneur, tu vois, aujourd'hui, j'ai exprimé ma louange. Alors, je te prie pour que tu donnes un peu des dons spirituels à des frères et à des sœurs. Je ne vais pas cumuler par une personne qu'on entend la prière, la louange, la présentation de la réunion, hein, la prophétie, puis le parler en langue, et puis l'interprétation. Alors, il n'y a plus qu'à faire un culte pour vous seul. Et les autres, alors, et les autres? Vous allez dire, les autres, ils n'ont qu'à avoir la vie? Gardez votre vie pour la maison d'abord, pour votre vie de foyer où il y a tant de problèmes. Gardez votre vie pour vos relations avec votre voisinage où il y a parfois tant de problèmes aussi. Gardez votre vie dans vos relations avec les autres, dans le bien, en aidant, en faisant la vaisselle, en allant visiter des personnes âgées, en aidant ceux qui sont handicapés. Vous savez, souvent on pense que parce qu'on exprime un don, on a la vie, mais la vraie vie, c'est d'aider celui qui est dans le besoin. Si vous êtes fort dans le Seigneur, alors mettez la main à la pâte, il y a du balayage à faire, il y a du travail à faire de partout, il y a des besoins énormes, il y a une minorité qui est en train de craquer sous la charge. C'est ça la vie aussi, c'est ça la vie. Alors d'autres ont peur, le silence, ah s'il y a le silence, il n'y a pas le Seigneur. Le silence c'est la mort, ah oui. Alors les frères et les sœurs qui sont dans le silence depuis des années, vous ne pensez pas qu'ils ont besoin de sortir de la mort aussi? Et qu'on a besoin que de laisser la place aussi à ceux-là? Besoin de les stimuler, je vais prendre un exemple. Dans un couple, parfois, vous avez, on arrive parfois dans notre joie pastorale, d'avoir affaire à des couples où c'est la compagne qui tient les rênes. Hein? Femme qui a peut-être besoin d'apprendre aussi que, hein? Ou alors le mari est défaillant. Arrive les maris qui, hein, les maris, qu'est-ce que vous voulez, ils sont faibles et c'est eux qui dirigent. Alors, vous avez parfois des sœurs qui vous disent, mais mon mari, il n'est pas ce qu'il doit être, hein? Alors moi, il faut que j'exerce mes responsabilités, etc. Alors, généralement, voilà ce qu'on peut répondre. Une femme, et là je parle aux sœurs d'abord, puisque ça, vous allez comprendre la comparaison. Si une sœur utilise cet argument, hein, pour constamment prendre la place du mari, ou parce que le mari est défaillant, elle dit, je continue comme ça jusqu'à ce qu'il le soit, cette sœur va créer des problèmes à ses enfants, et à elle-même plus tard, et à son mari. Tandis que la vraie sœur spirituelle, elle qui réalise la faiblesse du mari, va mettre tout en œuvre pour que le mari devienne réellement le mari et le chef du foyer, le chef spirituel. Cette sœur va tout mettre, elle va stimuler en restant retenue, en poussant. Et quand il faut, vraiment, elle prendra cela. Mais dès qu'elle peut, elle va stimuler constamment son mari à ce qu'il prenne un peu les rênes en main, selon la part que Dieu lui a donnée. Si la femme dit, mon mari ne fait pas et moi je joue le spirituel, frères et sœurs, c'est un travail de destructeur. Eh bien, c'est pareil dans l'Église. Si vous dites, moi, je suis fort, les autres, ils n'ont qu'à y aller, vous êtes comme cette femme qui dit, mon mari, il n'a qu'à y aller, en attendant, c'est moi qui mène là-bas. Mais non, ce n'est pas biblique. Vous devez, les forts doivent porter dans la prière, doivent exhorter les faibles. Parce que ce que Dieu demande, c'est le culte d'ensemble, c'est le corps qu'il veut. Nous devons stimuler les autres. Et il y a de la sagesse là aussi. Parce que parfois, je vais stimuler en parlant, et je vais stimuler toute l'Église en apportant une louange, en apportant un don. Et d'autres fois, je vais me taire. Je vais garder la réserve pour que, alors, allez les autres, vous y allez les autres. Mais si, parce que je suis rempli d'esprit, je prends tout le temps la parole, vous savez, ça décourage tout le monde et ça n'avancera pas. Ça ne fera pas lever les autres. Ça ne fera pas lever les autres. Ça les étouffe encore davantage. C'est important que vous ayez cette notion-là. Alors, je dis cela, non pas pour, hein, on parle des dons, on va aller encore plus loin la prochaine fois. Je dis cela afin que vous compreniez que la vie de l'esprit est quelque chose de merveilleux, mais il ne faut pas que ça devienne un étouffoir parce que des gens très forts, caractère fort, des gens qui sont hardis, parce qu'il y en a, il y en a qui sont timides, il y en a d'autres qui sont hardis, alors les hardis, ils prennent toute la place. Non. On reconnaît la stature de notre spiritualité dans la capacité que nous avons de nous tenir nous-mêmes et de nous garder la réserve quand nous sommes dans l'Église du Seigneur. Et vous savez, souvent on dit, ah, celui-là, quel truc, il prend toute la place. Alors, qu'est-ce qu'il est spirituel? Ben non. S'il prend toute la place, ça, c'est une démonstration visible de son manque de spiritualité dans ce domaine-là. C'est simple, c'est clair, c'est, je peux vous le démontrer, c'est comme si ma main était en train de faire tout le boulot. Hein? Ma main fait tout le travail, mais à la fin, les gens ils disent, mais il n'a pas de jambe celui-là? Où est son autre main? Où sont ses yeux? Où est sa bouche? Où est sa langue? Où sont ses oreilles? On voit que la main. De la même manière, si on ne voit que vous, individuellement dans l'Église, vous avez raté le coche, et l'Église a une expression, j'allais dire, c'est une excroissance mauvaise. Mais si on voit l'Église, le corps de Christ, les uns les autres se complétant dans la réserve et dans la complémentarité, vous savez, ça n'empêche pas la vie de l'Esprit, il ne faut pas croire.
ce n'est pas parce que vous vous sentez fort que vous êtes fort. C'est parce que vous vous croyez fort dans la personne de Jésus que vous l'êtes. C'est par la foi, non pas parce que nous ressentons, parce que nos sentiments mentent parfois comme dit ça. Frères et sœurs, c'est important. Je fais un petit peu, parce que j'avais dit que je parlerai de ça. Il y a aussi autre chose. L'expression émotive des dons. Il faut faire attention, donc, comme je disais tout à l'heure, à veiller à l'esthétique et non pas à tomber dans l'hystérie. Ah, parce que je parle en langue, personne ne peut me contrôler, alors je peux dire n'importe quoi, n'importe où, ça y va. Non, 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 non. Nous devons avoir le contrôle. Il y a diversité des langues. Nous devons demander et prier et lancer par la foi pour changer notre vocabulaire. Pas toujours la même chose. Il y a une diversité de langues. C'est un élaborissement de la foi. Vous savez, vous êtes peut-être perdu, vous, là-haut, dans la stratosphère spirituelle. Mais les autres, en bas, ils souffrent désespérément de vous sentir perdu comme ça. Non, 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 les pieds sur terre. Le cœur dans le ciel, sous l'onction de l'esprit. Mais pas de dérèglement. Il faut que les dons fassent envie. Vous savez, parfois, les gens, on discute beaucoup, les évangéliques n'acceptent pas à la manifestation de l'esprit. Vous savez pourquoi ? Parce que souvent, ceux qui les exercent maladroitement. Ou les exercent sans vraiment comprendre la richesse et le besoin de l'expression harmonieuse de tout ce que le Seigneur donne, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la louange. En un mot, Dieu veut du travail bien fait. Les hommes veulent du travail bien fait. Alors, ne disons pas parce que nous avons l'esprit, on peut faire n'importe comment, c'est pas vrai. Tendons à ce qui est parfait. Faisons un effort à ce niveau-là. Apprenons à nous exprimer dans le plus beau, que ce soit dans le parler en langue, que ce soit dans le chant en langue, que ce soit dans la prophétie, que ce soit dans l'interprétation, que ce soit dans une instruction, je ne sais. Frères et sœurs, que ce soit beau, que ça attire, pas que ça fasse fuir. Parce que le vrai sceau de l'esprit attire, tout ce qui vient de l'esprit attire, ce qui ne vient pas de l'esprit fait fuir. Alors je crois que tous ceux parmi nous qui s'expriment à haute voix devraient se poser la question, est-ce que j'attire ou est-ce que je fais fuir? Les gens vous le diront pas, vous avez toujours des faibles qui disent c'était bien, si vous allez chercher ceux qui vous disent d'accord, oui, mais allez un petit peu voir ceux qui peut-être vous diront je ne suis pas d'accord. C'est là qu'il faut écouter. Pas seulement à ceux qui sont d'accord avec vous, il faut dire à ceux qui ne sont pas d'accord, qui ont le courage, qui ne sont pas des moutons, qui ont le courage de vous dire écoute, il faudrait peut-être que tu te taises un petit peu. Personne ne veut se faire du mal, pas surtout pas de problème, alors on laisse ça au pasteur, d'accord. D'accord. Mais quand même, frères et sœurs, si nous sommes équilibrés, nous allons nous aimer encore davantage. Et on aura envie de venir à un culte, on aura envie de venir à une réunion de prière. On ne se dira pas, mais qu'est-ce qui va encore nous sortir? C'est pareil, si vous entendez parler quelque chose dans la semaine, ne venez pas sortir une prophétie le dimanche. Vous savez, en tant que pasteur, je sais beaucoup de choses dans la vie de l'Église. Alors quand j'entends une dimanche une prophétie, je sais que telle personne a eu un entretien avec une telle. Alors vous savez, ne vous étonnez pas si je ne saute pas de joie. Les autres ne le savent pas, mais je le sais. Et d'une manière ou d'une autre, il y a des gens qui le savent. Il faut arrêter si ça se fait. Si c'est votre cas, ne le faites plus. Ce n'est pas ça l'esprit. Ça, c'est du culot. Oui, mais oui, mais oui, mais oui, c'est du culot. C'est tout. C'est difficile, vous savez. Les dons de l'esprit, c'est quelque chose de merveilleux. Mais il ne faut pas que le diable et la chair puissent les abîmer. Alors, faisons attention, soyons sobres, et puis, y allons-y quand même, de tout notre cœur. Il y a aussi, peut-être, ceci. Donc, je disais tout à l'heure, l'idéal d'un culte, c'est un moment. Par exemple, de louange, puis un chant, un cantique que nous entonnons. Deux, trois, quatre, cinq ou six louanges à Dieu, individuelles. Et puis, peut-être encore un cantique, ou alors, à ce moment-là, un don de l'esprit. Et puis, alors, si le Saint-Esprit, vraiment, c'est clair qu'il faut qu'il insiste, un autre don de l'esprit. Et puis, hop! On respire, on ne va pas continuer pendant une demi-heure avec des dons de l'esprit. Alors on respire de nouveau et on continue dans la louange. Alors ça peut être un chant en langue. Ça peut être quelqu'un qui a une lecture de la Bible, qui l'ouvre et qui lit. Quelque chose de sensé, qui correspond au moment présent. Donc, voyez, on prie, on recommence. C'est aéré. C'est pas tout comme ça. C'est la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors on recommence à chanter ensemble un cantique avec notre intelligence. Et puis si l'esprit conduit, on va avoir tout ensemble un chant spirituel. Et puis de nouveau une prière ou une louange individuelle, une autre qui suit, une troisième, et puis le don de l'esprit qui se manifeste. Et puis selon que le Seigneur conduit, celui qui dirige, eh bien, on y va. Mais c'est ça un culte, c'est ça la beauté de Dieu. C'est pas ta 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 ta. Non, non,
on veut se réjouir dans la présence du Seigneur, on ne veut pas souffrir. Frères et sœurs, il y a autre chose que je voulais vous dire. On ne tape pas tout le temps dans les mains quand on chante. Vous savez, à un moment donné, bon, vous voulez réveiller les gens, alors on tape dans les mains. Non, tout le temps. N'importe quoi, on tape dans les mains. Non, 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 non. Si vous êtes devant, j'allais dire Giscard d'Estaing, mais lui, il est passé. Notre ami Mitterrand. Vous êtes dans son bureau, vous croyez que vous allez taper des mains? Mais non, il va vous dire, ça ne va pas. Alors, pourquoi vous tapez des mains tout le temps? C'est ridicule, parfois. Je le dis, c'est ridicule et c'est déplaisant pour les gens qui viennent peut-être pour la première fois, qui disent, mais il est complètement... Mais oui, mais il faut revenir sur terre, c'est ça, vous savez. Parce qu'il y en a qui me l'ont dit, donc je ne rêve pas. Alors, ne tapez pas des mains. Tapez, alors je crois que tapez pas des mains tout le temps. Je crois qu'il y a des fois des chants qui servent, mais il y a parfois des chants où il faut au contraire être dans l'adoration, être dans le recueillement le plus total. Et les gens spirituels, ce ne sont pas ceux qui tapent tout le temps dans les mains, c'est ceux qui savent taper dans les mains quand il faut. Pas pareil. Alors, je vous donne un conseil pour vous aider. Suivez ceux qui vous dirigent dans les champs. Hein, parce qu'on veut les former, hein, ou ils sont en train de se former. Alors, si vous ne savez pas, quand il faut taper des mains, alors regardez si celui qui est sur l'estrade ne tape pas dans les mains, ne tapez pas dans les mains. Sauf si vraiment vous éclatez dans la puissance du Saint-Esprit, alors allez-y. Hein, parce que ça va vous aller communiquer ça à tout le monde. Mais que ce ne soit pas une habitude. Frères et sœurs, c'est important. Fions les habitudes. Hein. Que ce ne soit pas une habitude, un réflexe spontané. Alléluia. L'autre jour, je regardais quelqu'un, il était là, il n'y avait pas de chant, il était sur le premier mot, il était là, complètement absent, il tapait des mains. Mais non, c'est pas ça que la Bible dit. Tape des mains, oui, je suis content. Mais il y a des fois, il faut se taire, il y a des moments de silence, il y a un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour louer, un temps pour être dans le silence. Frères et sœurs, nous devons enlever de nos cerveaux des plis tout faits. Notre cœur, d'accord, notre intelligence aussi, parce que nous ne sommes pas seuls. Chez vous, vous pouvez crier, hein, si vos voisins ne vous entendent pas, ben, tant mieux. Mais dans l'Église, essayons de comprendre que nous ne sommes pas pareils, nous avons des éducations différentes, des cultures différentes. Alors, d'accord, nous gardons notre personnalité, mais que notre personnalité ne devienne pas trop pesante pour les autres. C'est important. Encore autre chose. Vous savez, il y avait aussi, par exemple, quand vous avez prié ou loué le dimanche, un dimanche, vous n'allez pas recommencer le dimanche suivant. Nous sommes là, en principe, dans les 270, hein, généralement le dimanche, hein, matin, je parle. Si vous avez prié dimanche dernier, alors est-ce que vous allez encore une fois prier aujourd'hui? Mais qu'est-ce que vous allez dire d'un gâteau? Imaginez une table, une famille de 6 membres, et il y a un gâteau. Hmm? Bon, il y a, mettons, 7 tranches. Hein? Et vous prenez la 7e aujourd'hui, d'accord? Les autres disent rien. La phrase suivante, le même gâteau avec cette tranche, vous la prenez encore, cette tranche-là. Elle commence à dire, oh, pourquoi toujours lui? Mais oui, pourquoi toujours lui? Hein? Alors, la phrase suivante, encore la 7e tranche pour vous. Mais à la fin, vous allez avoir votre frangin ou votre... Sérieux, il y en a marre, hein? Oh, pourquoi toi? Mais je veux vous le dire, pourquoi toujours vous chaque dimanche? Pourquoi? Mais pourquoi toujours vous? Vous n'êtes pas plus, je ne suis pas plus qu'un autre. Pourquoi toujours vous? J'insiste un petit peu pour que vous compreniez, il faut des déclics qui se fassent. Alors si dimanche dernier j'ai prié, aujourd'hui je laisse la place à mes frères, à mes sœurs. C'est tout à fait normal, c'est l'éducation élémentaire, c'est l'humilité, le fair play, c'est la fraternité dans sa plus simple expression. Le reste c'est du vent. Hein? On faut aimer les frères, alors si on aime ses frères, on leur laisse aussi la place et on les encourage qu'eux se prennent la place, n'ayez pas peur du silence. Ce n'est pas à vous de rompre le silence, c'est celui qui dirige. Quand il sent que ça commence à être un silence mortel, il va le faire. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas quelqu'un... Non, c'est pour cette raison qu'il y a quelqu'un qui préside. Vous n'avez pas le droit de présider un culte. C'est un ministère qui vous n'avez pas. Et ce n'est pas l'étouffement, ce n'est pas l'asservissement, croyez-moi. Non, c'est au contraire la libération, mais de tous, pas de 2 ou 3. Vous savez, 3 libérés, c'est bien, mais les 260 libérés, c'est mieux. Et que notre liberté ne devienne pas un obstacle pour les autres. Donc, si vous avez loué dimanche dernier, ou si vous avez présenté la réunion dimanche dernier, ne recommencez pas aujourd'hui, de grâce. Laissez la place à quelqu'un d'autre. Le monde le fait, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas, nous, les enfants de Dieu? Parce que vous pensez être remplis de l'Esprit? Alors, prouvez-le en laissant la place aux autres. Simple. Alors, si aujourd'hui vous avez loué, bon, vous avez une pensée de l'Esprit.
Priez d'abord, puisque vous avez pris la voix, la parole dans l'assemblée. Vous êtes exprimé à haute voix. Alors priez, Seigneur, tu vois, j'ai déjà une fois pris la parole, il ne faut pas qu'on m'entende tout le temps, moi. Seigneur, tu ne veux pas qu'un seul, tu veux que tous. Alors priez pour que le Seigneur donne la pensée que vous avez à un frère ou à une sœur dans l'église. Et attendez. Ne dites pas, Seigneur, tu donnes la pensée tout de suite après, attends. Non, ce n'est pas sérieux. Non. Attendez, même si c'est la fin du culte. Si vous sentez que le culte va s'arrêter, que la pensée n'a pas été apportée, alors apportez-la. D'accord. Mais attendez, priez. Et puis si vous avez exercé un don ce dimanche, alors quoi? Dimanche prochain, écoutez, c'est quand même sérieux. Une église de 400 membres comme on est, hein, n'a pas quand même que 4 personnes qui prophétisent ou qui interprètent. Sinon, c'est lamentable, il faut fermer les portes. Alors, si vous êtes que 4 ou 5 qui chaque dimanche apportent les dons, mais il faut fermer la porte, c'est triste. Et on ne va pas continuer comme une vérité biblique, cette affaire-là. Vous pouvez tous prophétiser. Le désir de Dieu, c'est que tous s'y mettent. Alors, il faut stimuler, il faut pousser, il faut travailler jusqu'à ce que ça y soit. Ça ne veut pas dire qu'il faut se taire tout le temps. Mais là, encore une fois, je fais tout mon possible pour que les autres y aillent. Et puis, si vraiment la pensée que j'ai reçue, personne ne l'a dit, à la fin, je la porte. Mais que nous ne nous entendons pas tous les dimanches avec une régularité d'horloge. Frères et sœurs, c'est vrai, vous savez. Il faut le comprendre. On peut vous dire à telle heure, un tel va commencer à prier, à telle heure, un tel va commencer à... C'est vrai, parfois, on se rend compte qu'il y a comme un engrenage. Non, c'est la vie dans l'esprit. Et puis, la complémentarité, ça sous-entend l'obligation pour chacun d'entre nous aussi de s'y mettre. Frères, sœurs, ceux qui ne prient pas ou ne louent pas à haute voix, ceux qui n'exercent pas les dons, alors c'est quelque chose qui est une responsabilité pour le bien de l'Église, pour votre propre vie, mais aussi pour le bien des autres, qui ont aussi besoin d'entendre d'autres voix, d'autres personnes qui prennent la parole. Ça fait du bien au début, c'est peut-être pas glorieux, mais ça ne fait rien, vous y allez. Il faut, je voudrais que tous prophétisent, c'est le désir de Dieu. Vous pouvez tous prophétiser successivement. Dieu veut, pas une minorité qui tienne. Bien sûr que tous ne le feront pas. Bien sûr, il est dit, tous prophétisent-ils, etc. Il y a le désir de Dieu, mais ça dépend aussi de la foi, la passivité des gens. Ceux qui ne veulent pas, ceux qui ont peur, ils ne pourront jamais rien faire de bon dans leur vie spirituelle. Mais le désir de Dieu, c'est que tous s'y mettent. Mais vous savez, 3 ou 4, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça la vision de Dieu pour une communauté comme la nôtre. Alors, faut la libérer, faut aider, faut prier, que l'Esprit vienne, qu'il soutienne, qu'il libère les faibles. Et puis les faibles, il faut que vous disiez, je suis fort. Faut s'y mettre, faut que tout le monde s'y mette. Pas seulement ceux, parce qu'il y a le danger aussi, bien sûr. On parle toujours d'éteindre la vie de l'Esprit. C'est vrai qu'il y a un danger, mais je dis, si quelqu'un a réellement un don, on ne peut pas le lui éteindre. Il peut apprendre à le maîtriser davantage. Mais si vous avez quelque chose, on ne peut pas l'éteindre. Hein? Alors, faut y aller. Alors, frères et sœurs, vous avez reçu, allez-y. Tout à fait normal, c'est juste, et il faut le faire pour le bien de l'Église. Mais n'allez-y pas tout le temps. Hein? Il y a la réserve, il y a la sagesse, savoir quand il faut prendre la parole, savoir quand il faut laisser la place, pour que, progressivement, la vie coule chez tout le monde. Chez tout le monde. Pas une dizaine sur 270 qui ont un culte merveilleux, et la moitié des gens qui sortent, ils n'ont rien reçu pratiquement. C'est pas normal. Il faut donc la participation de tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on vous fait parfois lever et prier ensemble à haute voix? Mais justement pour stimuler. C'est pas pour le plaisir de faire comme les Américains, vous savez. Pas vrai. C'est pour que tout le monde puisse participer. Pourquoi est-ce qu'on casse parfois, on vous met par groupe de 2 ou 3? Mais justement pour que tout le monde s'y mette. Parce que si vous vous mettez, la vie de l'Esprit va jaillir et vous allez être béni. C'est ça le but, c'est votre bénédiction. C'est pas de faire du cinéma. C'est pour le bien de chacun d'entre nous. Comprenez cela, frères et sœurs. C'est important. C'est vraiment, vraiment que vous compreniez cela. Parce que nous, d'une façon ou d'une autre, il faut nous rappeler que l'autorité spirituelle appartient toujours, en définitive, doit toujours revenir aux hommes. Ah, peut-être vous choquer là. On voit des frères, un jour, ils disent, ils admettent tout à fait normalement. Je dirais que dans une église qui est dominée spirituellement par les sœurs, c'est une église qui n'est pas d'aplomb. Ça ne veut pas dire que les sœurs, je ne suis pas misogyne, je crois dur comme fer, que les sœurs peuvent aussi avoir, et que les sœurs peuvent être... Mais, dans un foyer qui est dirigé par une femme, c'est la maladie, et les enfants trinquent. Faire une confidence, hein. Je connais ça dans mon propre foyer, chez mes parents. J'ai vu les conséquences au milieu de plusieurs frères, et 2 autres frères. Et je le vois dans bien des couples, quand c'est la femme qui tient les pantalons, les enfants trinquent, et le mari aussi, et tout le monde. Et le résultat, c'est déplorable à la fin. Il faut regarder ce que deviennent les enfants plus tard. Il faut regarder sur le coup.
C'est anti-biblique qu'une femme dirige le foyer. C'est anti-biblique. Alors, si c'est valable dans le foyer, ce n'est valable aussi dans l'église. C'est anti-biblique qu'une sœur ou des sœurs dirigent l'église, spirituellement parlant. C'est anti-biblique. Précise bien. Je dirais bien que ça peut devenir un jugement. Ça ne veut pas dire qu'on doit étouffer les sœurs. C'est pas du tout, ne me faites pas dire l'inverse. Mais ça veut dire que les frères doivent s'y mettre. Parce que si les frères ne s'y mettent pas, ça prouve qu'il y a quelque chose sur leur vie qui ne va pas. C'est simple. Et ça prouve, mais ça sous-entend aussi que les frères doivent s'y mettre et que les sœurs doivent toujours se mettre à leur hauteur. Les frères montent plus haut, les sœurs, tac, tac. Mais jamais les sœurs et les frères qui essayent désespérément de les rattraper. Vous n'avez pas trouvé ça dans la Bible, ni dans le foyer. Non, il faut que les sœurs stimulent. Il faut que la femme stimule son mari. Il faut que dans l'Église, on sache que l'Église n'est pas dirigée spirituellement par les sœurs, mais que ce sont les frères qui finalement ont le dernier mot. Dans les églises, ça n'arrive pas chez la nôtre, hein, ça n'arrive pas chez nous. Mais parfois dans les églises, ce sont les frères qui vont chercher conseil chez les sœurs. Alors que la Bible dit que la femme attend d'être à la maison et d'interroger son mari. C'est l'inverse. C'est la Bible à l'inverse. C'est la Bible à l'inverse. Et c'est écrit, disons pas, c'est réservé il y a bien un siècle. L'apôtre Paul dit, c'est un commandement du Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. C'est un commandement du Seigneur. Bien sûr qu'il n'y a ni homme ni femme en Jésus-Christ dans l'expression de la vie, mais dans la place, dans l'harmonie du couple, la femme reste femme, l'homme est homme, la preuve, on a des enfants encore. Hein? S'il n'y a plus homme ni femme, on ne pourrait plus avoir des enfants, ce serait comme des anges. Alors soyons logiques, soyons clairs, soyons pas bêtes. Il y a une place pour chacun. Alors imaginez maintenant, je voudrais terminer par là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il faut que je m'arrête, il y a autre chose encore. Je voudrais simplement vous dire ça. Imaginez maintenant, 2 minutes, la grâce, 2 minutes, une église, disons la nôtre, où les frères exercent les dons, où les frères prennent la louange, où les frères prennent les décisions spirituelles, et les sœurs sont là à leur côté, qui les aident, qui les soutiennent, qui complètent les dons des frères, qui complètent les décisions des frères, qui aident, qui sont une aide semblable, qui complètent les frères. Ce n'est pas un asservissement des sœurs. Je tiens à vous le dire. Une sœur qui se soumet à son mari, ce n'est pas un asservissement, c'est bibliquement un moyen de libération. Et la même chose est valable dans l'Église. Si les frères prennent leur place, il faut que les frères prennent leur place. Hein? Et les sœurs savent rester à leur place. Parce que dans Pierre, le critère féminin, c'est discrétion, réserve, chasteté. Hein? C'est écrit ça, vous ne trouvez pas ça pour un homme. L'homme, c'est autre chose. Hein? Il a ses responsabilités propres. Mais la femme est l'aide semblable à lui. L'homme, c'est la couverture spirituelle. L'homme, c'est celui qui va se tenir sur la brèche pour sa femme, pour son foyer. Et dans l'Église, c'est pareil. Les hommes se tiennent sur la brèche pour les sœurs de l'Église. Et ils sont la couverture, la protection des sœurs de l'Église. Ce n'est pas les dominations, je pense que vous êtes bien d'accord. C'est la protection spirituelle. Il ne faut pas que ce soit les sœurs qui soient la protection spirituelle des frères. Là, il y a quelque chose qui est faussé. Je dis cela, non pas par un jugement, je vais vous dire, c'est ça la Bible, et c'est ça l'Église de la Bible. Le reste, ben, beau vous sentir tout ce qu'il y a de plus fort, ben, le reste peut y aller, c'est encore anti-biblique. Ou je dirais, c'est un manque de maturité. Moi, je crois dur comme faire que des églises jeunes sont des sœurs qui ont parfois créé des églises, des sœurs qui ont reçu, parce que l'Église n'est pas encore mûre. Mais dès qu'une église grandit, vient à maturité, l'homme prend sa place et la femme prend la sienne. C'est normal. Quand l'homme est défaillant, la femme prend sa place, mais la maturité, le signe, le résultat de la maturité, c'est que l'homme se retrouve à sa place et la femme à la sienne. Alors pour une église comme la nôtre, qui a fait je ne sais pas combien d'années, frères et sœurs, il faut que les hommes soient à leur place, sinon ça prouve que c'est une église qui n'est pas mûre, qui n'est pas adulte. Il ne faut pas dire c'est la France, parce qu'il y a des églises où les hommes prient, louent, exercent des dons, il ne faut pas croire. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ce sont là un des moyens de la libération de la puissance de Dieu. Dieu fera par des hommes ce qu'il ne fera jamais par des sœurs. Et Dieu fera par des sœurs ce qu'il ne fera jamais par des hommes. Chacun a sa place. Mais dans l'harmonie, dans la complémentarité et dans l'obéissance biblique. Vous savez, la Bible n'a pas été écrite pour dire, bon, c'était valable il y avait un siècle, mais maintenant, nous, on vit dans le puissant réveil de l'esprit. D'accord. Mais toute manifestation de l'esprit authentique se prouve par la maîtrise de soi, qui est le fruit de l'esprit aussi. Alors, frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Je voulais simplement partager cela parce que c'est important, parce qu'il faut qu'on y aille. Hein? Il y a, si vous voulez, il faut que nous soyons libres entre nous. Mais si nous voulons être libres, si chacun doit pouvoir s'exprimer, il faut que quand même on ait conscience de certains petits problèmes qui peuvent se poser.
Vous avez peut-être envie d'écouter quelqu'un, vous préférez un tel qui va prophétiser aujourd'hui. Vous dites, celui-là, moi j'ai confiance en lui. D'accord, ça c'est vous. Mais un autre, il dira, moi je connais cette personne, je n'ai peut-être pas confiance. Il a tort de dire ça. Hein? Mais c'est quand même ça. Parce que si tous prophétisent, tous seront contentés. C'est ça le but de Dieu. C'est ça. Et c'est ainsi que nous devons être libres, mais en respectant certains points. Très simple. Si chacun d'entre nous, nous acceptons de faire attention, vous savez, vous ne verrez plus personne sur les tas, ça se fera tout seul. La vie de l'esprit éclatera. Parce que ce n'est pas étouffé. C'est simplement veiller à ne pas devenir une entrave. Et tous alors, d'une façon ou d'une autre, et ce que vous avez reçu, vous pourrez l'apporter. Parce qu'on saura, on verra que finalement, vous ne prenez pas toute la place. Aujourd'hui, l'esprit vous a utilisé. Bon, ben, demain, ce sera un autre. Et puis peut-être dans 15 jours, 3 semaines, ce sera encore vous. D'accord. Mais cherchons à ce que le maximum de gens prennent la parole. Et prenons la parole. Alors, je voudrais vous dire une dernière chose. Je suis toujours là. C'est ceci. Il faut quand même qu'on y arrive. Hein, parce qu'on veut la liberté de l'esprit. Si vous voulez, si d'un côté, j'ai dit qu'il peut y avoir plusieurs prophéties, plusieurs interprétations, il faut aussi l'équilibre de l'autre sens. Alors, je veux dire, il faut quand même qu'on y arrive. Alors, on va faire comme ça. Je vous demande de ne pas vous fâcher. Hein, parce que quand on... pas vous fâcher, ce sera mauvais pour vous, vous savez. Ce sera mauvais pour vous parce que moi, j'ai conscience que ce que je demande est juste. Hein, et sinon, demandez au Seigneur qui va... Mais voilà, alors, je vous demande de ne pas vous fâcher, mais d'accepter cette discipline-là. À partir de maintenant... Mettons à partir de dimanche prochain. Hein. Laissons aujourd'hui encore ces champs libres. Hein. À partir de dimanche prochain, dès que vous serez trop long dans votre louange, dès que vous serez trop long dans l'exercice de votre don spirituel, en un mot, dès qu'on sentira, dès que celui qui préside ou le serviteur de Dieu sentira que vous n'êtes plus positif, mais vous commencez à gêner la réunion, alors excusez-nous si on va commencer à entonner un chant. Ne vous fâchez pas, ne dites pas, ça y est, ils m'ont coupé, d'accord, on vous a coupé, mais c'est gentiment, c'est entre copains qu'on fait ça. C'est vrai, c'est pas méchant, parce que je le sais, moi aussi ça m'arrive, on est parti, on est tellement avec le Seigneur qu'on oublie, c'est normal, hein. Mais c'est là qu'on a encore besoin des frères qui nous rappellent alors, hein. Alors vous fâchez pas, si à un moment donné vous entendez quelqu'un, qui vous entendez qu'on entonne un chant, dites, vous avez compris, j'ai encore été trop long aujourd'hui. Puis c'est tout, vous fâchez pas, ça vous arrive aujourd'hui, demain ça arrivera un autre. Eh bien on se rend service comme ça. Oui, c'est ça. Alors, acceptez avec joie une certaine discipline. Et comme on n'y arrive pas tout seul, on a toujours besoin des autres, c'est ça le corps aussi. Alors, les frères qui dirigeront les chants et moi, eh bien, quand on verra. Je ne dis pas qu'on le fera d'une façon légaliste, on ne sera pas là avec le chrono, stop, allez, boum. Hein? Non. Hein? Je pense que vous avez compris. Parfois, il y a parfois, dans l'expression, il y a parfois, c'est parfois plus long, c'est vrai. Parfois, c'est plus court, c'est vrai aussi. Donc, ce ne sera pas légaliste, ce ne sera pas... Pas hein, d'une façon étroite, non. Mais quand on commencera à sentir qu'il faut que vous laissiez la place, alors, un beau petit chant, hein, dans la joie de l'esprit, dans la beauté de l'affection fraternelle. Et ne pensez pas que ce sera un jugement contre vous, parce que dites-vous bien que celui qui entonne le chant, on est sur le même rang que vous. Alors, ne vous sentez pas blessé, ne vous sentez pas vexé, on va prendre ça comme une règle d'ensemble. Hein? On va essayer un petit peu d'avancer le chariot, hein, car on s'en avance. Et vous allez voir que progressivement le pli va se tenir.